Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Experience. Putain, ça faisait un bail que j'avais pas fait d'épisode sur Barbu Experience et sur l'impression 3D en particulier. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler d'une imprimante résine que les copains de Elegoo m'ont envoyée. Je l'ai pas payée, vous avez vu, je suis un sale bourgeois. Les gens, ils m'envoient du matos. Je suis vraiment un vendu. Le but est de savoir, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que c'est que cette machine? Et les premiers pas. Allez, c'est parti. Petit disclaimer, évidemment, les aminges de Elegoo m'ont envoyé cette machine, m'ont envoyé aussi deux bidons de 1 ml de résine qui se lave à l'eau. Et donc, j'ai pu tester tout ça. Ça m'a pris un peu de temps, parce que bien sûr, j'étais en train de faire le tri entre mon merdier de ma boîte, mes activités, qu'est-ce que j'allais faire, un vrai boulot, pas un vrai boulot, pif, paf, pouf. Mais au bout de quelques mois, j'ai réussi quand même à prendre un petit peu de temps et à faire marcher cette machine. J'ai mis un petit peu de temps parce que j'ai pas bien suivi les instructions, évidemment, comme un gros con, et que les 2-3 premières tentatives ont été complètement foireuses. Après avoir travaillé et avoir repris les instructions vraiment de zéro, ça a marché. Vous allez voir une petite vidéo avec un petit commentaire où je vous dis tout ce qui s'est passé et on se revoit juste après. Nous voilà donc avec un gros carton et notre nouvelle imprimante 3D qui vient de chez Elegoo, qui est la Mars 2 Pro. Une imprimante à résine qui arrive avec bien emballée, avec plein de trucs à droite et à gauche, et j'essaye de suivre plus ou moins les instructions pour arriver à comprendre comment est-ce qu'elle se monte. Le principe est relativement simple. On a un écran LCD qui va faire passer des UV. On a un bac dans lequel la résine va venir se mettre et on a un plateau qui va descendre et monter pour pouvoir imprimer chaque couche. J'essaye de comprendre plus ou moins comment ça marche. Je monte les différents éléments, c'est-à-dire le plateau, le bac, tout ça. Ce qui est plutôt pratique, c'est que y a à peu près tout qui est inclus dans le package, c'est-à-dire vous avez les outils, vous avez une clé USB, vous avez tous les câbles. Et là, il m'avait fourni aussi deux bouteilles de 1 ml de résine verte. Je lance donc la première impression qui, comme je vous l'ai déjà dit peut-être, a complètement foiré. Et c'était parce que j'ai pas bien suivi les instructions. J'ai voulu aller trop vite, comme d'habitude, et ça a pas bien marché du tout. Mais ça, c'est les choses qui arrivent. C'était un problème de leveling, comme ils disent, c'est-à-dire de mise à niveau du plateau par rapport à la surface d'impression. J'ai fait le test avec justement le petit fichier qui était inclus dans la clé USB, qui est deux pièces d'échecs de tour qui sont assez caractéristiques, qui ne demandent pas de support, et avec des petits détails d'impression qui sont vraiment assez impressionnants. Donc le premier essai a été un échec cuisant. Ça m'a un peu désespéré au début, comme on le voit, le plateau, il n'y a absolument rien dessus. En fait, ça a collé au fond du bac et je m'en suis aperçu que plus tard. Mais ça, c'est un détail, entre guillemets. Au début, je me disais, c'est vraiment du caca, ça marche pas. Mais c'est moi qui me suis trompé. Et là, comme on le voit, après une deuxième tentative et avoir versé la moitié de la résine sur mon plan de travail, le résultat est plutôt assez impressionnant. C'est relativement simple, vous mettez votre résine, vous calibrez correctement votre plateau, vous lancez votre impression, pif paf pouf, ça se lance et ça se fait. Alors, il y a beaucoup de choses à dire et on en reparlera, je pense, sur quelques épisodes à droite à gauche, sur certains éléments spécifiques. Mais c'est vraiment, moi je suis assez impressionné par le résultat pour un prix aussi modique qui est entre 200 et 300 euros suivant les différents modèles. Là on voit, je me suis imprimé un petit insigne de Warhammer 40 000, comme on l'a vu aussi, je fais couler un peu de résine un peu partout. C'est vraiment la première impression, c'est le côté un peu cracra de toute la résine et de tous les outils et de toutes les choses qu'il faut nettoyer immédiatement si on veut pas que ça colle et si on veut pas en foutre partout. Alors attention, la résine est corrosive, on met des gants. Je me suis acheté justement plein de gants en nitrile pour pouvoir manipuler tout ça. Et là, c'est le troisième test, des espèces de bagousses bizarres avec des supports, justement pour pouvoir tester aussi les deux slicers différents. Globalement, je suis assez impressionné, après un premier foirage qui était complètement de ma faute, de ces résultats. Et on voit ces résultats, les deux petites tours, l'insigne,
les petites bagouses pour une première fois, ben c'est plutôt pas mal et je suis assez impressionné. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Franchement, pour le prix, qui est moins de 300 balles, je suis super impressionné. Il y a encore un an et demi, deux ans, une machine comme ça, ça coûtait plus de 1000 balles. Et là, pour 300 balles, franchement, c'est assez impressionnant. La question qui vient juste derrière, c'est quelle est la différence avec le FDM, c'est-à-dire le dépôt de filament ? Il y en a plein. Et on en parlera dans une vidéo, à mon avis, un tout petit peu plus spécifique. La deuxième chose à voir, c'est que c'est vachement bien, mais ça nécessite du traitement après l'impression. On ne le voit pas ici parce que j'ai pas le matériel et que je vais me l'acheter dans pas longtemps et que ça va arriver. Vos impressions, il faut les nettoyer et il faut les... Je sais pas comment on dit ça. Les curer, cure en anglais. Ça doit avoir un nom en français. Faire en sorte que la résine soit bien solide en utilisant des UV. Je vais m'acheter une petite machine qui me permettra de faire les deux. Je vais m'acheter de l'alcool isopropylique. Pour l'instant, j'en ai pas sous la main. J'ai fait ça avec de l'eau et du savon. Je l'ai laissé au soleil. Ça marche pas mal. C'est encore un peu, c'est encore un peu foireux, mais là, le but était de savoir est-ce que j'arrive à imprimer des trucs. On parlera aussi des slicers qui sont spécifiques pour ce genre d'imprimante. Mais mon but était de savoir, est-ce que ça marche ? La réponse est oui. Est-ce que c'est simple à mettre en place ? La réponse est oui, qu'on n'est pas une grosse tanche comme moi et qu'on lit bien les instructions. Et ensuite, quelles sont toutes les autres choses ? Ça viendra après. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir le résultat, juste en déballant le truc et en lançant les premières impressions. Est-ce que c'est aussi solide que du MDF ? J'en sais rien, faut que je fasse des tests. Et quelles sont les différentes résines qu'on peut utiliser ? J'en sais rien, faut que je fasse plein de tests. Mais en tout cas, juste le sortir du carton et permettre de faire des impressions d'aussi bonne qualité, c'est assez impressionnant. Bien sûr, il y aura d'autres séries sur cette imprimante-là. Il y aura une série sur justement comment le nettoyer et comment le solidifier correctement. On va prendre des solutions commerciales et on se fera aussi des petites solutions DIY juste pour le fun. Justement, les différents types de résines qui existent, quel est le prix, quel est le coût d'une impression, les slicers, les logiciels qui permettent justement de transformer votre modèle 3D en un fichier qui soit exploitable. Il y a plein de choses à voir et plein de choses super intéressantes. Petit aparté, je vais aussi me racheter une imprimante FDM, un kit autour de 200 balles, juste pour voir l'évolution justement sur les dernières années de l'impression 3D et pouvoir faire une comparaison aussi avec d'autres trucs et aussi parce que j'en ai besoin. Je suis revenu un peu chez moi et j'ai quitté un peu ma grotte bourrin. Il est temps de se remettre un peu à tout ce bordel. La conclusion de tout ça, machine vraiment bien. Alors attention à vos doigts, à vos yeux, c'est de la résine, elle est corrosive, elle va tacher vos trucs, elle va vous niquer la peau, etc. Donc on met des gants, faites pas comme moi, mettez des lunettes. Et dans certains cas, si vous êtes dans une pièce fermée, mettez un masque. Moi je suis dans un grand salon où il y a deux fenêtres qui s'ouvrent de chaque côté, il n'y a aucun problème pour faire un courant d'air. Mais là, super impressionné par la qualité, j'ai absolument rien à dire. Si vous aussi, vous avez essayé une imprimante comme ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, je suis pour un truc à moins de 300 balles, c'est assez impressionnant. Alors après, pour l'instant, j'ai imprimé quoi ? Des figurines à la con et des Pokémon. Enfin, même pas, j'ai même pas encore imprimé de Pokémon, mais ça va arriver, évidemment. Quelle est l'utilité pour les makers ? Ce sera à voir dans de futurs épisodes. Mais en tout cas, ma conclusion... Si moi je devais demain, on me dit tu files 250 balles ou alors on reprend ton imprimante, je filerais les 250 balles. Donc moi je valide à fond, c'est un peu cracra, mais franchement la qualité est impressionnante. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller dans un Fab Lab pour voir c'est quoi ces imprimantes 3D, d'aller dans un Hackerspace ou d'aller demander à mamie justement votre futur cadeau de Noël. Comme d'habitude, tu sais comment faire, hein, tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour ce nouveau épisode tout neuf de Barbu Experience. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de faire plein de trucs. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.